chérie, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, aujourd'hui, je vous apporte cette astuce beauté que vous avez votée en majorité dans le tout dernier sondage. Ne partez pas, c'est tout de suite. Eh bien oui, aujourd'hui, mes chéris, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je viens vous faire voir comment est-ce que je fais ma chantilly de karité au gel d'aloe vera, bio et 100% naturel. Donc là, mes chéris, comme vous l'avez constaté sur cette chaîne, je vous avais déjà présenté auparavant, voilà, dans une autre vidéo, une autre chantilly que je viens de terminer. Et je vais essayer de vous mettre quelque part là, sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous faisais voir comment je fais cette chantilly. Donc là, dans cette vidéo-ci, dans cette chantilly, je vous ai rajouté des éléments assez importants qui vont venir prendre soin de vos cheveux. Voilà. Moi, je vais l'utiliser plus pour hydrater mes cheveux, bien sûr, mais aussi pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Je fais mes soins une fois par semaine et j'hydrate mes cheveux plus ou moins deux fois dans la semaine. J'alterne un peu les jours pour pouvoir laisser le temps à mes cheveux de respirer. Et c'est une chose aussi assez importante pour ne pas trop manipuler mes cheveux. Ça va aussi m'aider à éviter beaucoup de casses. Donc là, mes chéris, j'arrête de parler. Je vous donne les informations de tous les ingrédients que j'ai utilisés dans cette chantilly juste après la composition de cette chantilly. Donc là, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette chantilly. Donc voilà, mes chéris, pour ce chantilly à l'aloe vera, bien évidemment, je vais venir utiliser de l'aloe vera et manger cette feuille-là d'aloe vera que j'ai pris dans mon magasin asiatique que je vais utiliser pour faire ce chantilly. Voilà. Ensuite, pour ce chantilly, j'aurai aussi besoin de beurre de karité. Voilà, moi j'ai ce beurre de karité là, j'ai ici 120 g de beurre de karité. Ensuite, j'aurai besoin d'un peu de glycérine et cette glycérine là, je l'ai pris sur Amazon. Ensuite, j'aurai besoin d'un peu d'huile de ricin. Et là, je vais venir ajouter un peu de mon huile de gingembre. J'aurai aussi besoin d'un peu d'huile d'avocat. Je vais aussi venir ajouter un peu d'huile de fenugrec. Et là, mes chéris, je vais aussi venir ajouter un peu d'huile de palmiste. Je vais vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous faisais voir comment est-ce que je fais l'huile de palmiste. Ainsi que les autres huiles, vous avez l'huile de fenugrec, l'huile de gingembre. Je vais essayer de vous laisser quelque part là aussi les vidéos dans lesquelles je vous faisais voir comment est-ce que je fais ces huiles-là. Et je vais venir ajouter aussi un peu de mon huile de vitamine E. Et pour terminer, je vais venir ajouter un peu de mon huile de menthe poivrée. Voilà. Je vais aussi vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais des vertus et des bienfaits de l'huile de menthe poivrée. Donc là, mes chéris, dans ce bol-là, j'ai de l'eau un peu chaude et je vais venir commencer par faire fondre mon huile de palmiste. Et par la suite, tout à l'heure, je vous ferai voir le tout. Je vais venir faire fondre aussi mon beurre de karité au bain-marie. Donc là, comme vous le voyez, mon eau est en train de bouillir, donc je vais commencer par rajouter mon beurre de karité. Donc là, vous avez vu que ça a commencé par fondre. On va aller assez rapidement. Donc là, je fais fondre le tout et je vous fais voir tout de suite le résultat. Maintenant là, nous allons passer à l'élaboration du gel d'aloe vera. Donc là, mes chéris, je vais commencer par extraire mon gel d'aloe vera. Je vais utiliser seulement une toute petite partie de mon gel bio, de cette feuille-là. Je vais en prendre seulement cette partie-là. Voilà. Il m'en faut juste un peu. Et là, je vais remettre le reste au frigo. Donc là, je vais utiliser juste ça. Thank you.
Donc je vais me servir seulement de ça pour faire ce chantilly. Donc là, ma chérie, j'ai ça, j'en ai juste un peu. Je vais commencer par écraser le tout. Donc là, ma chérie, j'ai ça et je vais commencer par filtrer. J'aurai besoin de mon petit bol et de cette petite chaussette que j'utilise en dessous de mes perruques. Donc là, mes chéris, j'ai obtenu ça. C'est déjà bon et on va commencer par faire ce chantilly. Voilà. Donc là, mes chéris, je vais commencer par composer mon chantilly. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai fait fondre mon beurre de karité. Pas totalement, mais déjà là, c'est déjà bon pour moi. C'est déjà excellent. Voilà. Je vais venir renverser le tout dans mon bol qui va me servir à composer le tout. Donc là, ma chérie, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de mon huile de palmiste. Comme vous le voyez, il a totalement fondu. Je l'ai laissé dans de l'eau chaude. Ça a été pratiquement très rapide. Voilà, c'est ce que vous devez faire parce qu'après, il se solidifie. Ensuite, je vais venir ajouter 1 cuillère à soupe de mon huile de gingembre. Ensuite, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de mon huile de fenugrec. Je vais venir ajouter 1 cuillère à soupe de mon huile d'avocat. Une cuillère à soupe de mon huile de ricin. Je viens rajouter 1 cuillère à soupe de ma glycérine végétale. Donc là, mes chéris, je vais venir ajouter environ 1/2 cuillère à soupe de mon huile de vitamine E. Et là, maintenant, je vais venir ajouter mon gel d'aloe vera. C'est environ 2 cuillères et demie à soupe. Moi, je préfère procéder comme ça. Vous pouvez commencer par mélanger toutes les huiles et par la suite rajouter votre gel d'aloe vera. Voilà. Et là, pour terminer, je vais venir, avant de commencer par mélanger le tout, rajouter 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et donc là, c'est au top. Je vais commencer par mélanger le tout. Là, ici, comme vous le voyez, j'ai mon batteur électrique que je vais utiliser pour vous faire cet élément-là. Vous choisissez ce que vous voulez pour qui va vous aider à pouvoir bien mélanger le tout. Et pour obtenir le résultat que vous allez voir par la suite. C'est parti.
Donc là, mes chéris, comme vous le voyez, ça donne plus ou moins cette consistance-là. Voilà, c'est pas trop lourd, c'est pas trop liquide. J'espère que vous arrivez à voir. Ça donne plus ou moins ça. Et là, c'est déjà bon et ça sent très bon. Voilà, vous avez ici l'odeur de la menthe poivrée. Ce que je vais faire, je vais venir renverser le tout ici dans mon bol dans lequel j'avais conservé mon précédent chantilly. Et ma précédente chantilly. Et là, je vais mettre le tout au frigo pour laisser au frais pour un bon moment. Et après, je vous fais voir le résultat. C'est parti. Donc voilà mes chéris, ça donne plus ou moins ça. C'est juste un peu liquide, mais quand je vais le conserver au frigo tout à l'heure, je vous ferai voir le résultat final tout à l'heure. Voilà mes chéris, comment est-ce que se présente ma chantilly de karité au gel d'aloe vera. Voilà, donc à tout de suite pour le résultat final. Voilà donc mes chéris, plus ou moins comment se présente ma chantilly. Voilà, je vais vous montrer le résultat. J'ai laissé poser au frigo pendant moins d'une heure. Voilà, il n'y avait pas besoin de laisser reposer beaucoup de temps. Et là, ma chantilly de karité au gel d'aloe vera bio pur, naturel, se présente ici. Elle a solidifié. Voilà, c'est pas qu'elle est devenue aussi dure que ça. On va essayer de... Je vous présente ensemble le tout. Voilà. Vous avez vu? Et je vais essayer d'appliquer le tout. Voilà, ma chantilly, vous avez vu, c'est assez doux. Ça fond assez facilement et c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, ça donne plus ou moins ça, vous avez vu. Et vous sentez dedans que votre peau, déjà, c'est quelque chose aussi que vous pouvez utiliser pour la peau. Voilà, mais moi, je l'ai fait spécifiquement pour mes cheveux, pour prendre soin de mes cheveux. Vous voyez, ça donne plus ou moins ça et ça vous apporte de l'hydratation sur les cheveux. Vous avez là l'odeur de la menthe poivrée qui est très agréable et vos cheveux vont sentir bon. Voilà, moi j'ai essayé de mettre ça parce que déjà l'huile essentielle de menthe poivrée va venir m'aider à stimuler la pousse de cheveux et va me laisser aussi cette belle odeur que vous connaissez. Donc c'est déjà un point assez intéressant et je vais essayer de mettre quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais des vertus et des bienfaits de la menthe poivrée. Donc mes chéris, moi je vous invite à essayer cette chantilly là à la maison, voilà, et à me laisser un retour en commentaire pour voir plus ou moins quels ont été vos résultats, voilà, pour partager avec nous vos résultats sur cette chaîne. Et pour ces personnes-là qui font déjà des chantilly de karité, je vous invite aussi à laisser des commentaires, voilà, pour partager avec nous sur cette chaîne toutes vos astuces et vos expériences pour aider ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'utilisation des chantilly de karité. Donc mes chéris, je vous invite à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose et je serai ravie de vous donner une réponse pour vous aider à comprendre mieux et à utiliser mieux votre chantilly de karité. Donc voilà mes chéris, cette vidéo que j'ai voulu partager avec vous pour vous présenter comment est-ce que je fais cette chantilly là. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et pour ces personnes-là qui sont passées pour la toute première fois sur cette vidéo, qui m'ont vu aussi pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner pour ne perdre aucune de mes astuces. Donc voilà, ma chérie, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.